dis donc, le farci, c'est ta spécialité, toi. Ah, ben, un petit peu, oui. Voilà. Alors, tu vas expliquer, qu'est-ce que tu mets dans le farci? Je mets des bêtes, du persil, de la salade, de l'oseille, de l'oignon, du lard, la mie de pain, un peu de farine, les œufs, et c'est tout. Et après, c'est cuit au bouillon, c'est ça, hein? Après, salé, poivré. Oui, salé, poivré. Alors ça, c'est ta spécialité, Marie-Louise, parce que c'est ta manière de faire farci. Ah, c'est ma manière de faire farci. Que tu tiens de ta famille. Alors voilà, les amis, c'est ça, si vous voulez faire un farci comme Marie-Louise, après, chacun le sien. Mais là, c'est chacun fait sa façon. Vous avez vu, hein, c'est pas fait n'importe comment. On n'est pas faire des garges besées, ça. Voilà. Bon, tout est bien. Et après? Après, je blanchis par les feuilles de chou vache. Voilà, ça, vous aurez de la peine à trouver ça à Paris, hein. On ne peut pas parler ça. Alors après, je les blanchis. Oui. Je prépare mon filet que je mets dans les faitous. Voilà. Je mets bien mes feuilles de chou en rond et je mets mon farci dedans. Voilà. Après, j'attache, je ficelle bien, je croise bien mes feuilles. J'attache et je le fais cuire dans un bouillon, mets dans le bouillon pendant 4 heures. Ah, voilà, 4 heures, c'est 4 heures de temps, oui. Un bon bouillon avec de la viande dedans qui a cuit un peu avant. Non, mais que de l'eau salée. Une pleine main de sel et voilà. Dans mon bouillon, là. Quand ça boue, même en farci dedans. D'accord, ben c'est parfait. Bon, on va voir le sens que ça donne. Maintenant, on va attendre que ça soit mis en place et puis on va revenir tout à l'heure. On verra. Peut-être boire un verre en attendant, tiens. Oui, voilà. C'est pas compliqué.